Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de l'évolution du catch. Dans un peu moins de 2 semaines, je vais célébrer ma 12e année dans le catch. Et du coup, ça m'a donné l'idée pour te faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que j'ai réalisé que 12 ans de carrière comparé à la date où le catch a commencé à faire son apparition, ben c'est rien du tout. Et déjà pour commencer et pour bien comprendre, on va devoir se resituer dans le temps lors de la création du catch. Et c'est en 1850 que le catch commence à faire son apparition aux États-Unis. Et en France, ça arrivera bien plus tard, mais ça je vais t'en parler juste après. Et en un peu plus de 170 années d'existence, le catch a pu passer par différentes phases et évolutions. Et à cette époque, en 1850 jusqu'à la moitié des années 1900, je te dirais vers 1940-1950, le catch n'avait rien à voir avec ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Parce qu'à cette époque, c'était beaucoup basé sur la lutte. Alors oui, dans le catch d'aujourd'hui, tu peux retrouver aussi de la lutte, mais c'est bien moins important comparé à avant. Je te dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu en bonus. Ou sauf si tu as un catcheur qui base son personnage sur un style lutteur et aussi sur sa façon de catcher. Là oui, la lutte va être mise un petit peu plus en avant. Mais aujourd'hui, tu as plusieurs façons de combattre. Tu as aussi des catcheurs avec plusieurs styles différents. T'as les gentils, t'as les méchants, t'as les poids lourds, t'as les voltigeurs, t'as différents styles de costumes. Et il y a aussi des matchs avec plein de stipulations différentes. T'as des matchs de table, des matchs d'échelle, des matchs en cage, des Royal Rumble, etc. Et à cette époque, il n'y avait rien de tout ça parce que c'était pratiquement que des combats simples en un contre un. Il n'y avait pas de gentils, il n'y avait pas de méchants, il n'y avait pas des costumes extravagants ou des personnages et la plupart du temps, les catcheurs étaient habillés de la même manière. Et il n'y avait pas non plus un inventaire de prise et de mouvement comme on peut le voir aujourd'hui. C'était principalement des bras à la volée, des dropkicks, des manchettes, des snapmers. C'était très technique et c'était aussi beaucoup basé sur le combat au sol. C'est plus vers les années 60 que le catch va prendre une autre tournure et va commencer à gagner en popularité en France, notamment avec l'apparition de Le Bourreau de Béthune, L'Ange Blanc et un petit peu plus tard André le Géant qui lui partira aux États-Unis à la WWF à l'époque, qui est maintenant connu sous le nom de la WWE. Et du côté des États-Unis, le catch est déjà très populaire à ce moment-là, mais l'âge d'or du catch aux States, ça va vraiment se situer entre les années 80 et 90. Avec des catcheurs comme Bret Hart, Hulk Hogan, Ric Flair, l'Ultimate Warrior et bien d'autres, la liste est très longue. C'est vraiment la période où le catch a atteint son apogée selon moi parce que tu avais vraiment des personnages très charismatiques, plus grands que nature et aussi ils prenaient le temps de créer des stars à ce moment-là. Et en plus, si tu regardes dans le ring, si tu te concentres un petit peu plus sur l'aspect technique et par rapport aussi aux prises et aux mouvements qu'ils faisaient à l'époque, ben ça n'avait rien d'exceptionnel comparé à aujourd'hui. Parce que les mecs à l'époque, ils n'avaient pas besoin de faire 36 prises différentes dans un match pour faire réagir la foule. Un parfait exemple avec Hulk Hogan. Quand tu regardes Hulk Hogan et quand tu regardes son style de catch, ça n'a rien de fou. C'est juste des coups de poing, des coups de pied, peut-être un coup de bélier, une corde à linge et son finisher, c'est juste un leg drop. Et ça suffisait pour rendre les gens dingues parce qu'il avait un personnage très charismatique et il avait cette connexion avec le public. Et c'est ça que je reproche un petit peu avec le catch d'aujourd'hui parce que maintenant j'ai l'impression que c'est devenu la course à toujours plus. Et c'est pas forcément à la WWE. Parce que moi, c'est ce que je remarque quand je pars, par exemple, catcher dans certaines promotions et que je vois certains matchs. Il y a des catcheurs qui se focalisent vraiment sur quel type de mouvement ils vont faire pour se mettre en avant et pour flatter leur ego, plutôt que d'avoir une bonne construction de match et un bon storytelling. Maintenant, dans les shows indie, c'est pas rare de voir dans un match 5 ou 6 super kicks, des dives, des Canadian Destroyer, alors qu'à la base, c'est censé être des finishers. Et t'as des gars qui placent ce genre de move après 2 minutes de match, ça c'est vraiment une logique qui m'échappe. Et c'est pour ça que moi personnellement j'aime bien le produit WWE parce que dans un sens ils respectent une certaine logique dans la construction de leur programme, dans les storytelling et aussi dans la construction des matchs. Mais attention, ça veut pas dire que je suis un pro WWE et que je regarde que ça et que rien d'autre m'intéresse. Non, j'aime bien aussi regarder d'autres fédérations et aussi découvrir de nouvelles promotions indépendantes. Mais je te dirais que la WWE, c'est le style de catch et le style de programme dans lequel je m'identifie le mieux et que j'essaye d'appliquer quand moi je catch. Bon, ben je pense que j'ai abordé toutes les choses que je voulais dire à propos de l'évolution du catch.
match. Alors oui, forcément, il y a des choses que je n'ai pas abordées parce qu'il y a énormément de choses à dire par rapport à l'évolution du catch et j'ai voulu aller un petit peu directement au point essentiel. Et d'ailleurs, si tu veux rajouter quelque chose, ben n'hésite pas à t'exprimer en bas dans l'espace commentaire. Et laisse-moi savoir aussi à partir de quelle année tu as commencé à regarder le catch et quelle a été ta période préférée. Si cette vidéo t'a plu, ben comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !